Hey yo, bien bonjour et bonsoir, c'est Traclass et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Zelda Tears of the Kingdom. Donc on se retrouve exactement là où on s'était laissé dans l'épisode dernier, c'est-à-dire par vers ici. Et il me semble qu'on se dirigeait vers le sanctuaire qui était là-bas en haut. À la base des bases, nous on partait direction là, le village Goron. Donc voilà, on fera ça une fois qu'on aura fait le petit sanctuaire et puis toutes ces petites îles célestes. Voilà, voilà pour le programme d'aujourd'hui. Alors, il va falloir sûrement que je fasse quelque chose avec ces petits chariots là. Alors, attendez, voilà, comme d'habitude, il faut que je mette ça bien. Je pense qu'un seul, ça devrait suffire. Je vois pas l'intérêt d'en mettre deux. On va en mettre qu'un seul. Après, ça va faire montagne russe. Après, ça va être un délire le truc. Comment je la mets la pile? Comment je la mets la pile? Bon, en vrai, je peux la mettre dedans. Hein. Oui, je vais bien avoir la place pour moi-même. Bon, écoutez, c'est parti. On va essayer ça comme ça. Ah, non, je vais pas taper avec une épée de glace quand même. Hop, allez, on va abîmer ça. Pif! C'est parti! Let's go! Youhou! C'est trop stylé, ouais. Oh, j'aurais peut-être dû en mettre deux finalement. Ça aurait été plus rapide. Bah, tant pis, hein. Il ira bien comme ça. Alors, il y a l'air d'avoir quelque chose par ici. Déjà, il y a des piments juste là. Ah oui, ça, il va s'arrêter tout seul. Ok. Ah, ils ont mis la pile juste dessus. Ok, bon, intéressant. Salut mon ref. Je viens pour te casser la bouche. Bah, ça y est, quoi, t'es mort, quoi. Non! Le truc est tombé par terre. J'ai fait une connerie, là. Ce qui c'est moi, mais j'aurais pas fait un petit peu une connerie là par hasard en sautant. Non, c'est bon, je peux remonter. C'est bon, j'ai eu peur de plus pouvoir remonter en fait. Et après, j'allais me retrouver un petit peu bête. Donc, nous sommes Al. C'est bien, ça fait plaisir. Mais je pense qu'il faut que je monte plus haut. Utilisons notre pouvoir magique de l'infiltration. Bim! Il y a quand même des pouvoirs vachement cool hein, dans ce Tears of the Kingdom. Oh! Oh oh! J'ai trouvé un petit coffre. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est un truc de feu. Attendez, attendez. Est-ce que j'ai trouvé un petit coffre? Et j'ai besoin de feu. Et là, on me donne une orbe d'énergie sans AO. Et on me donne un truc de feu. Petite question à laquelle je me pose. Si, je peux faire comme ça. J'imagine que voilà, ça va s'étendre. Est-ce que ça s'étend là? Non, ça n'a pas l'air. Alors hop, on va faire ça. Bim. Hop là. Ah, flûte. Je ne peux pas me rendre par ici. Ah, à aucun moment je ne peux me rendre. Ah, mais par contre, Ah, mais je peux passer par là. Attendez. Tendez, tendez. On va poser ça là. Attendez. Hop, hop, hop. Je vise. Je tire. Wouah, c'est trop bien. Je sais pas, je pouvais utiliser ça comme ça. Enfin, en vrai, j'aurais dû m'en douter, mais j'avais jamais fait. Bon, j'ai eu un petit coffre. J'espère qu'il y a quelque chose d'intéressant. Vœux des sages. Oui, c'est quoi ça? Ce reliquat du vœu prononcé par les sages ancestraux permet de renforcer le lien avec les sages d'aujourd'hui. Finissez-en 4 et présentez-les à une statue de la déesse. Bah ok, hein. Je sais pas ce que c'est, mais je suis content d'avoir ça. Hein. Ça me servira bien à un moment ou à un autre. Hein. Diriez-vous. Là, c'est pour retourner en bas, ça m'intéresse pas. Il y a l'air d'avoir d'autres choses par là. Alors attendez, on va visiter. Hein. On est là pour ça, après tout. On est là pour ça. Hop, hop, hop. Tac. Ah, mais je suis trop bête. Ça se coupe, en fait. Pas besoin d'y mettre le feu. D'accord, moi, je pensais que je devais y mettre le feu. Mais en fait, visiblement, non. Oh, ça se coupe. Ah, bah oui, ça se coupe. Ah! Bah lui, il me coupe pas, lui. Attendez, on va reprendre mon épée glacée. Il s'est fait casser la bouche par Babil de toute façon. Allez, meurs! Meurs! Donne-moi tout ce que t'as. Voilà, ça fait plaisir. Ok, bon. Jusqu'à là. Ça va.
va continuer le chemin. Ah, j'entends un bruit de bip bip. Peut-être que c'est le stuff qui était par terre. On a vu le stuff qui était par terre, il brillait. Du coup, ça faisait bip bip. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a l'air d'avoir rien d'autre. Donc, on va monter un peu plus haut, on va voir. De toute façon, mon but, moi, c'est d'arriver jusqu'au sanctuaire pour commencer dans un premier temps, au début du départ. Alors, où suis-je? Où suis-je de... Où suis-je? C'est rien de spécialement spécial. On a une belle vue hein, d'ici. Et il y a encore plein d'autres îles célestes. Hein. J'ai absolument rien visité des îles célestes. C'est assez violent, quand même. Hein. Faut pas se le cacher. Ouais, mais non, en fait, tire pas, Babil. J'avais envie de tirer, mais en fait, tire pas. C'est quoi ça comme fruit? Mais à aucun moment je t'ai dit de tirer, Babil! Oh, c'est fou ça! C'est fou! Il m'a cassé mes fruits de gel du coup. Moi je voulais en prendre des fruits de gel en plus. Là j'ai encore tout ce qu'il me faut, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah écoutez. On va continuer à progresser. Gentiment, pépèrement. Non, celui-là il est tordu, ça va m'embêter. Tac, tac, tac. Je vais faire ça comme ça. Bem, Bem, la Bem au bout d'un moment. J'ai eu un petit problème de perspective. Voilà, ça se met là. On prend la pile. Tic 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 tic. Comme ça. J'ai bien envie de mettre les deux de. Je devrais sûrement pas, hein, mais non, on sait jamais ce qui va se passer. Je vais quand même le garder en. En backup le truc. Tac, c'est parti. Avançons. Bah en fait on va s'y retrouver direct là. Oh, bah oui. Ah oh, bah ça a été easy en fait. Ça a été easy easy. En tout cas jusqu'à maintenant. Ah il y a encore un truc qui va m'envoyer en l'air. J'ai vu moi. J'ai vu avec mes yeux, il y a un truc qui va m'envoyer en l'air. Bon, bah là, on va pouvoir passer avec Babil. Là, Babil, tu peux venir si tu veux. Non, t'as pas envie. Ah oui, forcément. Ah! J'ai appuyé deux fois comme un demeuré. Bon, allez, c'est bon, j'ai pas besoin de Babil. Ça va passer comme ça, voilà. Allez, hop, c'est bon. Babil, il commence à me saouler. Il est bon qu'à tirer des flèches. Le reste, hein. Bon, c'est moi qui suis pas doué, mais il faut bien que je redonne la faute sur quelqu'un d'autre, vous voyez. Parce que sinon, sinon, ça va pas le faire. Alors, comment dire de comment faire? Là, ça va me tirer là-bas. Donc ça, on ira voir après. Bon, déjà, dans un premier temps, faisons le sanctuaire Gataunali. Est-ce que ça va me mettre une épreuve? Ou est-ce que l'épreuve, c'était de monter jusque-là? Je ne sais pas. On verra. En tout cas, c'est assez sympatoche, ces petites îles célestes. Parce que mine de rien, c'est la première fois... Enfin, c'est pas la première île céleste que je fais, mais c'est la première fois que je monte de manière légite, quoi. La voie de l'eau. La voie de l'eau et il y a de la lave. Donc il va falloir que je fasse quelque chose avec ça. Ça j'imagine que c'est un espèce d'extincteur ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Ça tire de l'eau. C'est bien. Là on a de l'eau. Donc c'est juste pour me dire, regardez, avec l'eau sur la lave, ça fait de la roche. Donc, si je fais ça. Voilà. Et en fait me faire un petit chemin tranquillou jusqu'à la rive. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oula, je peux passer là tranquillement ou... Ah, j'ai brûlé. Ya. Yeah. Ok, bon. C'est pas... J'aurais dû partir un peu plus droit. Hein. Mais bon, ça n'utilise pas de pile ce truc. Il y a de l'eau à l'infini. Trop bien, il y a de l'eau à l'infini là-dedans. Un espadon rouillé. Ça se casse ça? Par exemple si je prends ça. Non mais ça c'est une grande hache, c'est pas un grand maillet. Fais ça. Ok, ça se casse effectivement. Et c'est la suite là? Même la fin là. Mais là-bas il y a le coffre. Moi c'est ça qui m'intéresse. C'est le coffre. Par contre, comment je vais faire pour monter? J'ai jamais réussi à monter là. Ah, j'ai une question me taraude. Quand j'ai fait de la pierre. Ah ah! Je peux récupérer mes pierres. Et par conséquent les empiler en fait.
Oh bien! Il est de ouf! Ok. D'accord, bon, c'est pas mal comme petite mécanique. Écoutez, on va les empiler comme ça. Je vais les coller, hein. En plus intelligent de les coller comme ça, je suis sûr au moins ça glisse pas. Bon, après, au lieu de me faire chier d'aller récupérer cela, je vais carrément faire ça. Tac. Regardez un peu comment que je vais faire. Pose ça là. Bim. Il est pas droit. Pose-le un peu plus droit, s'il te plaît, Link. Ça m'arrangerait. Alors, attendez. Hop, 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 hop. Tac. Tac. Là, il va me créer des plateformes à l'infini. Parce que moi, je vais pouvoir faire comme ça. Tac. Et voilà, j'ai fait un générateur de roche, en fait. Comme sur Minecraft. Je suis pas un peu trop fort, là? Quand même. Voilà. Tac. Bah voilà, mais c'est ça se passe plutôt bien pour l'instant. Avec mon petit générateur là. Bon là, ça devrait être suffisamment haut. Du coup, j'arrive à hop la placer. Eh mais attendez, si je fais ça en plus. Bah voilà. Pas parfait ça. Bah voilà. Ah, trop fier de moi-même. Ok, arc de golem renforcé, ça c'est pas mal. Bah, surtout que j'avais un arc en moins. Bah écoutez, jusqu'à maintenant, on s'en sort bien. Voyons voir un peu la suite. La suite des événements. N'est-ce pas donc rouillé? En vrai, ça peut être intéressant, mais là j'ai une grande lame. Vais prendre l'espadon. Voilà, ce que j'ai envie. J'ai deux extincteurs. Le problème cette fois-ci, c'est qu'il y a du courant. Pourquoi deux extincteurs alors? La question que je me pose. Ouais. Ouais. Attendez, je me suis trompé de bouton. Si, c'est bon, c'est le bon truc. Là, j'ai ça. Mais attendez, si je fais ça. Ah mais oui, je voulais le coller dessus, mais non. Bête. Non, faut pas que je le colle dessus, en fait. Ce qu'il faut, c'est que je fasse... Attendez, si je fais comme ça. Attendez, j'ai un problème dans ma mémoire qui est dans ma tête. Parce que là, ça me mêle à truc... Ok. Ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu. Moi là-bas, je voulais sauter sous le caillou avec mon extincteur dans les mains. Comme ça, bah quand j'avance, ça fait des pierres. Et je suis bien, quoi. Sauf que là, mon problème, c'est que... Bah la pierre... Hey, j'ai une idée. Que je peux pas faire un blocus de pierre. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'en vrai c'est un peu bête de faire un blocus de pierre. Là-bas c'est le vide intersidéral. Est-ce que je peux faire? Bon, pour me faire gagner un peu de temps. Je vais me faire une plateforme comme ça. Attendez. Et toi, il faut que tu sois allumé. Toi, je te mets. Je fasse une plateforme en fait qui soit plus éloignée possible. Comme ça, j'ai le temps de monter plus tôt dessus. Et comme ça, j'aurai le temps de créer des plateformes pour avancer. Moi, je l'espère. Vas-y, plateforme! Oh, j'ai fait une double. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait une double. Ah, mais ça fait des doubles celui-là. Pourquoi il fait des doubles celui-là? Bah, écoutez, moi, je prends. Hein. J'ai aucune idée de pourquoi est-ce qu'il fait des doubles. Moi ça m'arrange. Donc tant que ça m'arrange, moi ça me va. Hop là! C'est comme ça qu'on fait en fait. Ok. J'ai pas compris pourquoi celui-là il faisait des doubles et l'autre non. Peut-être que le débit d'eau était plus fort, je sais pas. Ou alors c'est le fait que les plateformes étaient en mouvement, j'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que j'ai réussi et c'est le principal. Donc une nouvelle petite lueur. En plus je récupère mes cœurs, c'est bénef. Bah si, super.
On a réussi le petit sanctuaire auquel on voulait se rendre dans l'épisode précédent. Donc déjà ça c'est ça fait plaisir. Enfin la fin de l'épisode précédent. On va se faire catapulter de l'autre côté là-bas. Voir un peu ce qui s'y trouve. On est déjà orienté, j'ai l'impression. Alors déjà pas mal orienté. Je vais prendre des gâches à pont là. Tac, vu qu'il y en a. Allons-y, profitons-en. Matériaux, matériaux, matériaux. Là, j'ai vu les trucs sonao, j'en ai 130 en plus, alors on va se faire plaisir. Allez hop! C'est parti, les gâchapons! Qu'est-ce que je vais avoir? Oh, j'ai eu des roues. Trop bien! Ah bah j'ai eu des extincteurs. D'accord. Et j'ai eu des batteries. Ah, oh, c'est pas mal, hein. J'ai eu un bon cachapon là. Ça fait plaisir. Ça fait très bien plaisir. Bah, super. Je vais pas en payer plus parce que pour l'instant, je m'en sers pas plus que ça. Mais si jamais j'ai besoin, en tout cas, moi j'aurai des choses sur moi. Qu'est-ce qu'il y a donc ici? Bah, il y a rien ici. C'est le vide ici. Là, il y a un pommier et c'est tout. Et il est pas un peu pommier celui-là? Parce qu'il est tout seul, du coup il est pommier, vous voyez. Je suis trop rigolo. Enfin bref, passons à autre chose après cette vanne pourrie. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Bah, pourquoi on m'emmènerait là s'il n'y a rien? Il peut y avoir un truc sur le pommier alors. Pourquoi il n'y a rien? Chose en bas? Ah, il y a peut-être quelque chose en bas par contre. Ah, il y avait un coffre là. Il y avait un coffre. Attendez, je vais pouvoir le récupérer. Si je fais ça. Nickel. À part ça, il n'y avait rien d'autre. Ok, bon, peut-être que c'était ça qu'il fallait venir chercher. Une batterie de rechange. Bah pourquoi pas. Après tout. Après tout, pourquoi pas. Regardez, c'est le château d'Hyrule. Il est en train de voler. Il pète sa mère. Ouais, là, c'est quoi? C'est un trou intersidéral. Ah, je l'ai déjà marqué visiblement le trou intersidéral. Eh ben, on va enlever le trou intersidéral. Bon, bah vous savez quoi? Il faut qu'on redescende maintenant. On redescende. Je suis où là? La tour est là et moi je suis là. Il y a un trésor. C'est quoi déjà les trésors? J'oublie. Mince. Ah, d'accord, c'est les petites, c'est les ça là, c'est les marques. Ok, bon, je pense qu'on va juste sauter dans le vide. Ah bah, regardez. Est-ce qu'on n'irait pas vers la marque? Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais j'ai bien envie d'y aller, donc let's go, hein, pourquoi pas. Il y a un moyen, ouais, ça fait vachement loin. Parce que par le ciel, ça paraît à côté, mais en fait, c'est quand même vachement loin, donc je sais pas si c'était une bonne idée. Bah écoutez, tant pis. Maintenant que c'est fait, on y va, hein. Je la fais, puis au pire, je me retéléporterai vers... la tour de guet pour me mettre bien. Est-ce que je peux voir d'ici par exemple? Attendez, puisque là je suis en train de tomber en plus. J'ai l'impression que c'est tout en haut là, c'est la flèche. J'ai l'impression que c'est là. C'est le seul endroit qui est plein. Hop, petite paravoile pour pas mourir. Au moins, ce truc là, il sera fait. Examiner. Voilà, on va avoir le droit à une petite cinématique. Ça va faire plaisir. On a la classe un peu comme ça, je trouve. La bulle d'eau magique. Oh oh. Qu'est-ce donc cela? Je l'ai examiné avec attention. À l'évidence, cette technologie est issue d'une autre époque. Toutefois, je pourrais peut-être adapter la téléportation afin qu'elle fonctionne aussi dans notre espace-temps. L'expérience serait enrichissante, si tu veux bien me la confier. Oui, je vous en prie. Si cela peut vous être utile, Dame Mineru. Dans ce cas, je la garde.
Cela confirme que je viens du futur, n'est-ce pas? Et que je ne vous ai pas menti. Pour ma part, je n'en ai jamais douté. Alors dis-nous, ma sœur, existe-t-il un moyen de renvoyer Zelda à son époque? En connais-tu un? Si tu as pu voyager ainsi dans le temps, c'est certainement grâce à la pierre que tu portes. Peut-être l'ignores-tu, mais les pierres occultes amplifient le pouvoir de leur porteur. Le mien, par exemple, me permet de séparer mon corps de mon esprit. Raoru possède le pouvoir de la lumière, qui dissipe les ténèbres du mal. Quant à Sonia, elle soumet le temps à sa volonté. Je perçois deux pouvoirs chez toi, celui du temps et celui de la lumière. Mais la pierre que tu portes n'en amplifie qu'un seul, celui du temps. Le temps. Bah, elle est cheatée, en fait. Ta pierre est puissante, mais elle ne peut que renforcer ce qu'elle trouve en toi. C'est à toi qu'il revient de connaître ton pouvoir. Elle ne t'y aidera pas. Je crains donc que si tu ignores toi-même comment retourner à ton époque... Oh. La légende qui entoure les pierres occultes parle d'une pratique interdite, connue sous le nom de rite draconique. Pierre occulte par un être ingéré voit la chair en dragon transformé, immortel devant l'éternité. Oh. Oui, c'est une autre façon de traverser le temps, même si ce n'est pas la plus rapide. Et tu as très certainement des raisons de croire que cette légende est fondée. Oui. Mais vous n'avez pas encore entendu la fin. Qui désire un grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Voilà pourquoi cette pratique est interdite. C'est une solution au problème qui nous occupe, c'est vrai. Une façon différente de traverser le temps. Mais à quoi bon regagner l'époque d'où tu viens si tu en oublies qui tu es? Je regrette. Je crains de ne pouvoir t'aider davantage. Le problème reste entier. Mais je suis confiant. Traverser le temps, ça n'a rien d'impossible puisque tu l'as déjà fait. Que dirais-tu de te pencher un peu sur ton pouvoir? Je suis sûr que Sonia serait ravie de te servir de professeur. Très bien. Bah oui, s'il y en a une autre qui a le même pouvoir, pas qu'elle aille prendre des cours, en fait. En tout cas, ça a le pouvoir de contrôler le temps. Pourquoi est-ce que le vélo tourne pas avant que Ganondorf il arrive et qu'il casse tout? Et puis elle règle tout, et puis voilà, en fait. Une fois qu'elle a maîtrisé son pouvoir. Après, est-ce que ça crée des lignes temporelles, etc. Ça, après, on n'en sait rien. Toujours le même problème avec les trucs des histoires de temps comme ça, là. Sinon, bon, ça fait plaisir. Au moins, ça s'est fait. Est-ce qu'on se téléporte? On va se téléporter. Parce que mon cheval est là. Alors, je m'en souviens, j'avais tout traversé là pour aller choper la tour de guet. Et en fait, nous, on doit se rendre tic jusqu'à là-bas, en fait. Bon, très bien. On va se téléporter, comme ça on reprend exactement où on était la dernière fois. Et puis on va continuer notre petite épopée en direction du village Goron. Il me semble que le volcan était donc éteint maintenant, c'est ça. Donc on va voir un peu ce qui passe là-bas. Une bonne question. Alors. J'aille par là. Tac. Il me semble que c'était par là-bas, hein. Mon cheval, il est où? Ouais, c'est par là-bas. Ok, bon, bah, allons-y. C'est parti, mon kiki. On repart à l'aventure. En tout cas, les petites cinématiques sont quand même vachement intéressantes. Heureusement, vous allez me dire, parce que bah, il n'y en a pas tellement non plus, quoi. Mais elles sont toujours très appréciables et ça nous permet de découvrir un peu plus l'histoire. Ça, c'est cool. C'est vrai que pour le moment, nous, on n'en sait pas tellement plus que ça, vu que, bah, on traîne... C'est-à-dire que Link, il va sauver Zelda, il veut sauver le monde, mais il prend son temps quand même. Il prend son temps d'explorer, tu vois. ça m'a toujours fait marrer, ça, mais bon. Après tout, hein, pas le choix. Hein. Ouais, c'est quand même vachement loin, hein. Mon cheval, il a 10 km. C'est vrai que j'avais dû tout traverser en volant, je pense. Ça...
ça devait être beaucoup plus rapide que là. Alors là, j'ai oui, j'ai un panneau et j'ai mon cheval qui est juste ici. Voilà. On a retrouvé là où on était avant. Ça, c'est cool. Bah, continuons à avancer, en fait. Continuons à suivre la route. Hein. Ah, il y a un... Il y a un ça, là. Attendez. Même... Ah, si. J'ai dû le marquer, ouais. Il y a un sanctuaire, donc on va partir en direction du sanctuaire. Je veux rejoindre mon ami. Ah, il y a un Korogu. Flûte. M'arrange pas, lui. Séparé de mon ami, oui, d'accord. Ton ami, il est tout là-bas, là-bas. Bon, ça tombe bien, parce que moi, c'est tout là-bas, là-bas que je vais aller, mais... j'ai rien, là, pour t'aider, mon ref. Ah, si, j'ai... J'ai deux, trois trucs. D'accord. C'est quoi, c'est du métal? Ouais, c'est en métal. C'est bien, hein, que ça soit en métal, mais... En vrai, je peux pas juste traîner. Alors, si je fais ça, regardez, si je fais ça, et que je fais ça, et ça, tac, tac. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Moi-même, je ne sais pas en fait là. Non, j'ai pas besoin de ça. Juste besoin de ça là. Un petit rondin comme ça là. Histoire de faire ça bien. Paf. Hop, on vient coller ça ici. Toi, je te prends. Allez, je te prends. Tac. Et je te colle dessus. Et je vais pouvoir te traîner jusqu'à là-bas techniquement. Ça m'a l'air pas mal ça, non? Bah si, ça marche, voilà. Regardez. Regardez donc. Oh, attendez. J'ai besoin de viande. Prends ça dans ta bouche. Prends ça dans ta... Pas bouche. Prends ça dans... Bah, prends pas ça, hein, parce que j'ai la flemme, en fait. Bah, si je t'ai tué, c'est parce que j'ai la flemme, hein. C'est pas... Enfin, si je t'ai pas tué, plutôt, c'est parce que j'ai la flemme, hein. C'est pas parce que je suis nul, hein. C'est vraiment... C'est juste que j'avais pas envie, quoi. Hein. C'est... pour ça, hein. Attendez, il y a des panneaux. On va voir un peu ce qui est marqué sur les panneaux. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Village Goron, restaurant de Pibiche. Ah oui, on en avait parlé du restaurant. On va déjà faire un tour au restaurant. Avant d'aller faire un tour au village Goron. Est-ce que je ramènerai pas lui avant? Je ne sais pas. Ah, il a l'air d'avoir des chariots, etc. Ça, c'est le restaurant de Pibiche. Je peux passer par ici ou pas? Question que oui, hein. Ouais, on va le traîner. Bonjour, mesdames et mesdames. Bon, ça fait des montagnes russes, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu vas pas mourir. Je reviens, hein, le restaurant. Je vais déjà ramener lui vers son pote, comme ça il est content. Et après, on s'occupera de la suite, ok? Oula, 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 oula. Le cheval, c'est génial. Le cheval, c'est génial, mais arrête-toi un petit peu. Oh là là. Bon, allez, hop, on descend de ce truc pas maniable, là, voilà. Allez, viens là, mon ref. Je vais t'emmener à pied, parce que le cheval, il est trop bête, lui. Je lui dis de tourner, il tourne pas. Oh là là, il y a une petite montée, donc d'un coup, il a peur. Ok, bon, bah, je comprends pourquoi il a peur aussi, je suis un danger public, moi. Viens là, voilà. Uf. C'est bon, ça s'est bien passé, regarde. Il y a ton pote qui est là. T'es pas un petit peu content, là? Voilà, merci pour les noix Korogu, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça, à plus. J'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir des trucs intéressants ici. J'aime beaucoup l'ambiance, en tout cas, de ce petit coin. L'ambiance me plaît. Bon, quoi, on va tout faire. Enlever tout ça, là, parce que c'est chiant. Voilà, ça dégage. Je veux bien faire demi-tour, le cheval. Ah bah non. Il est coincé dans les rails, en fait, le cheval. C'est une blague, ça. Attendez. C'est pour rigoler qu'on fait ça, non? Ah, c'est bon. Waouh, d'accord. Super, bon.
gars, le cheval, il est pas fait pour suivre les rails. Hein. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Avance! Mais c'est fou! C'est fou, ces chevaux qui font pas ce qu'on leur dit. Avance! Fais-moi confiance un petit peu. C'est dingue, ça. Ok, c'est bon. Je suis au restaurante. Bonjour, messieurs. Tu es un voyageur, exactement. Eh ben, alors tu ferais mieux de pas mettre les pieds dans ce restaurant, ni au village Goron, d'ailleurs. Depuis que la savouroche est à la mode, tout le monde est trop bizarre. Même si mon grand frère, lui, qui était si content d'entrer chez Younessi, maintient, je le reconnais plus. Maintenant, je le reconnais plus, pardon. Younessi, ok. Bah oui, alors attends, Younessi extrait les gemmes et après ils les vendent et puis... enfin bref, si le village Goron s'est autant développé, c'est grâce à Younessi. C'est ce que disait toujours mon grand frère et ça se voyait qu'il était drôlement fier. Là, j'ai l'impression que ça les rend un peu teubés, il a les yeux rouges, le Goron là-bas derrière. Mais depuis que Younessi s'est mise à vendre de la savouroche, j'ai l'impression que tout le monde est devenu bizarre. C'est de la roche à manger que vend Younessi, c'est le truc à la mode en ce moment. On peut en extraire des petits morceaux dans les grottes du coin. Il paraît que c'est super bon. Mais c'est aussi super dur, alors les enfants et les personnes âgées peuvent pas en manger. Mon pauvre grand frère, ses yeux ont changé. C'est comme s'il n'était plus vraiment lui. Ah, j'ai remarqué. On va lui parler à ton frère. La savouroche est en rupture de stock. J'arrive pas à croire que c'est la dernière. Qu'est-ce qu'ils font chez Younessi? Il faut en extraire davantage. Ressaisis-toi, frangin. Extraire la savouroche, c'est justement ton travail. Dès que j'aurai fini cette savouroche, j'irai m'en acheter d'autres au village Goron. You prépare les rubis. Frangin, toi qui étais si content d'avoir intégré Younessi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ok, la savouroche les rend accros, c'est de la drogue en fait. Tiens, toi aussi tu es venu goûter au steak de Pibiche. Récemment, une nouvelle roche à manger appelée savouroche a été découverte et on dit qu'elle est absolument délicieuse. Même moi, j'ai interrompu mon voyage pour y venir y goûter, sauf qu'elle est en rupture de stock. Mais la roche à manger est peut-être un peu trop dure pour les dents des Iliens. Normalement, les restaurants proposent un menu adapté pour ton peuple. Hélas, on dirait que ça aussi, c'est en rupture de stock. Décidément, c'est pas notre jour. À tous les deux. Très bien, et toi? Tavac, le propriétaire du restaurant semble se régaler en mangeant ces roches qui ont l'air super dures. Mais moi, je ne peux pas. Je crois que je m'y casserai les dents. Et dire que j'ai pris la peine de venir jusqu'ici pour ça, j'aurais mieux fait de rester concentré sur ma chasse au voy. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont tout le temps à la recherche de mecs là, pour se reproduire, parce que chez eux, il n'y a que des femmes. Ok. Je comprends que vous trouviez insultant que j'ai pas fini mon assiette. Mais où voulez-vous que je trouve de la savouroche pour vous dédommager? Allez, soyez raisonnable, je vous donne ça et on est quitte, d'accord? C'est un objet rare qu'on a découvert après le cataclysme. Je sais que c'est une drôle de tête, mais on en trouve pas n'importe où. La savouroche est très populaire, c'est une roche à manger très précieuse qu'on obtient qu'en quantité limitée. Et vous l'avez gâchée, c'est impardonnable. La moindre des choses, ce serait que vous m'apportiez une autre savouroche. Rangez-moi cette chose répugnante. Si je pouvais, je l'aurais fait depuis longtemps. Je suis allé chercher dans les côtes où conduisait les rails pour wagonner, comme vous me l'aviez dit. Et comme vous voulez qu'un Ilien s'aventure dans un endroit pareil. Comment, plutôt? C'est pas mon problème, et je veux pas de ce truc-là, je ne vous pardonnerai pas avant d'avoir reçu une savouroche. Ok. Moi, je peux le prendre, ton truc? Hé, qu'est-ce que tu fabriques? C'est à moi, ça. Tu veux pas me le donner, plutôt? Pas vraiment l'air d'en avoir besoin. Et toi, tu me dis quoi? On ne sert plus le lien ici, si c'est pour qu'il me gâche ma précieuse savouroche, comme celui-là. Pour se faire prendre, je voudrais servir les Iliens, d'accord. Les savouroches, c'est un miracle qui est apparu sur nos terres du jour au lendemain. C'est une roche à manger de premier choix qui est devenue indispensable au Goron. Poser des rails pour les wagonner jusqu'aux grottes pour pouvoir m'apprivoiser sans problème. Mais les livreurs ne travaillent plus, alors ces derniers temps, j'ai beaucoup de mal à m'en procurer. Enfin bref, j'ai rien à servir aux Iliens. Fiche le camp. Bon, vous savez quoi? On va faire le petit sanctuaire. Et après, on va s'atteler au problème de la savouroche. Hein. Ça dégage. Ça, je prends parce que... Hop, hop. On va me servir à mettre le feu aux gens. Des ennemis, ça. Regarde un petit peu les alentours. Hein, j'en profite. J'imagine qu'il va falloir que j'aille là-bas. On ira faire le petit camp aussi. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis, mais peut-être que si je m'approche, les ennemis vont apparaître. Je ne sais pas.
Bon, on verra ça plus tard. Dans un premier temps, allons à ce sanctuaire. Le petit sanctuaire, là. Ça va faire plaisir, là. Sanctuaire, là. Ouais, sanctuaire, après la grotte. Et puis après, on ira au village Goron, hein, de toute façon... À contre-courant. Ah, encore un truc avec ça. D'accord. Ok. Yep là. Yep là. Faut juste que je traverse. Attendez, on va faire un plus grand saut quand même. Yep là. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai réussi en fait. Viens de battre. Viens de battre, j'ai dit. Voilà, ça dégage grâce à mon épée de glace en fait. Trop fort en fait. Arc, golem renforcé. Mais j'ai. J'ai plus du tout d'arc moi que je peux récupérer tous les arcs de la terre là ou quoi? Alors là, je dois ramener une petite boule. Très bien, sauf que là, j'avance effectivement à contre-courant. Et si je fais quelque chose de ce genre? Rétrospective. Ok, c'est bon, je crois que j'ai fait ça à temps. C'est bon! Voilà, encore un autre moyen d'utiliser rétrospective. Heureusement que j'y ai pensé. Hein. Moi, je me connais, j'en ai encore galéré et tout, là. Ah, bah, c'est ça qu'il me faut. La bouboule. C'est bon, vous pouvez décontrospectiver. Ok, bon, c'est facile pour l'instant. Ah, il y a le coffre. Attends, tu peux pas... Il faut que tu rétrospectives. Je vais faire un bouchon de pierre là. Si j'arrive pas à trouver. Bah non, du coup ça coince. Put! Ça coince! Attendez. J'ai une idée. J'ai une idée. Hop, hop. Hop. Je vais la mettre bien la pile comme il me faut. Tac. Et je vais. Vous voyez une rétrospective. Voilà, maintenant. Et voilà. Bah c'est pas nickel ça un peu. Ah par contre. Ouais, elle va repartir en l'air. Donc j'ai bien fait de sauter parce que ça allait faire tout ce que j'ai que j'avais fait là-bas. Alors attendez, bouclier en sonium 26. C'est pas mal ça, un bouclier cuirassé, il est nul, mais il est stylé, je trouve. Mais bon, tant pis. Il dégage. J'aurais peut-être pu au moins m'attendre. Non ? Excusez-moi, j'aurais besoin d'une autre plateforme. Ah, viens là la plateforme. Mets-toi là, là, que je sois safe. Ok. Bon, bah ça va. On s'en sort, on a déjà récupéré le coffre. Tout va bien pour le moment, dans le meilleur des mondes. Hop. Là, je la jette. Comme ça, moi, je suis sûr de réussir mon saut correctement. Je mets la petite boule dans le trou-trou. Et c'est parti mon kiki. Ah, et mince, je pensais que c'était la fin, mais non. Il y a encore un grand lac de lave. Un grand lac de lave. Et là, on me donne un truc de vent. Un autre truc de vent. Vive le vent. Bah, ouais, merci. En fait... Je vais ramener ça en bas. Il y a quoi en face? Il n'y a rien d'autre. Je vais ramener ça en bas. Ça serait déjà moins pénible pour la suite. Je me demande si... Attendez, est-ce que déjà j'ai pas envie d'abîmer ça? Tac. Je me demande si... En faisant une plateforme rocheuse, en y mettant un truc devant, est-ce que ça va me permettre de remonter à contre-courant ou pas du tout? Question que je me pose. On va voir. Tac. Enfin, vu qu'on me met ça à disposition, j'imagine que c'est possible, hein. Est-ce que je mettrais bien les deux, mais j'ai peur d'arriver à court ou de pile. Mais en mettant un seul, j'ai peur de pas avoir assez de puissance pour avancer à contre-courant. Vous voyez un petit peu les dilemmes
l'aime que j'ai. Bon, écoutez, pour l'instant, ça m'a l'air pas mal. Par contre, faut pas qu'il se tourne, quoi. Faut vraiment qu'il soit dans le bon sens, là. Hein. Je vais le mettre... Je voulais le mettre un peu loin pour que j'aie le temps de sauter dessus, mais... Yo. Ok. Ah bah oui, il est keblo grâce au truc. Bah c'est bon, je suis peinard. Ok, ça marche. Ça marche. Je vais absolument pas droit. Mais ça marche. C'est le principal. Est-ce que je suis arrivé à destination? Bah let's go. Et bah c'était plutôt cool. J'ai bien aimé. Que ça stylé. Ça m'a fait plaisir. Un petit sanctuaire au calme. On est bien. On est bien. Je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Et dans l'épisode prochain, on partira à la recherche du coup de leur pierre là. Savouroche, là, voilà. On va partir à la recherche de la Savouroche. Puis après, on partira en direction du village Goron. Hein, toujours pareil, toujours le même objectif. On fait un petit peu les petits trucs qu'on voit sur la route. Et voilà, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner et activer la cloche. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.